Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de Among the Sleep. Pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières parties, bah, je vous mets des petits extraits là maintenant. Ah! Tranquille, je regarde pas là-bas, Pourquoi je ferme les yeux en vrai en plus? Et si vous avez pas vu du tout, bah allez voir en fait, parce que c'est pas logique de voir la partie 3 sans voir les parties d'avant. Ok, donc dans la dernière partie, on avait donc trouvé l'avant-dernier souvenir, comme vous voyez, qui va passer juste ici. Et donc là, on va trouver ce dernier souvenir. Allez, vas-y. Ok, donc là, normalement, il nous reste vraiment que ce dernier souvenir, et après, on trouve maman. Franchement, je m'en rappelle même plus la tête qu'elle a ma mère. C'est pourquoi, genre vraiment, je m'en rappelle plus comment on fait pour jouer. Ok, c'est bon. Le toboggan de la mort. Ouah, il est ultra penché celui-là. Donc là, on arrive dans... je ne sais où. Il y a des bottes déjà. Il fait très très sombre. Je commence déjà à avoir peur, ça fait 10 secondes que j'ai commencé, j'ai peur. Il y a des bruits. Oula mince, je mets des coudes partout. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des... un truc qui est traîné là. Mais comme à chaque fois, on va y aller au talent et on va arrêter d'avoir peur. Il y a des placards de partout. Je sais plus comment on fait déjà pour câliner mon ours. Oh, F. Ok. On y va au talent, on va essayer de voir à quoi il ressemble le nouveau monstre. Pour éviter d'avoir peur. Et comme ça, quand on le verra... oh, il y a du sang. Quand on le verra, on sera pas surpris de fou comme avec le monstre, là, la dame du lac. Faut passer par où? Ok, il y a un placard. Pour l'instant, ça va. Ça fait pas trop peur. Il va y avoir un screamer là, je le sens. En vrai, depuis le début du jeu, je dis ça, il n'y a jamais eu un seul screamer. Eh oh. Ah oui, genre là, il va falloir escalader tout ça. Pourquoi ça bouge comme ça, là? Il faut monter là, je pense. Et après, il faut monter où? Ou peut-être passer par là? Wouah, le délire! C'est quoi ça? C'est ultra stylé par contre. Allez, on monte. Hop. Moi j'ai envie de jeter cette bouteille. Wouah, c'est quoi ça? Pourquoi ça vibre comme ça? Ok. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un truc avec des yeux rouges? Ah, c'est une lumière, ok. Pour l'instant, un vrai de vrai, ça va. Hein. Mais vous savez, je dis ça pour me rassurer, en fait. Je pense que s'il y a des placards de partout, c'est pour se cacher du monstre. Ah! Teddy? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, oh, c'est la boîte à musique! Ah, oh, je viens d'avoir un truc, un trophée! Bah super, ça! Oh, il y a un monstre, là, mais il est où? J'ai peur, mais je le vois pas. Oh, c'est une porte. Hein? Bizarre, bizarre. Pas compris ce qui s'est passé. Genre, j'ai eu peur. Il n'y a eu aucun monstre. Trop bizarre. Oh, je suis déjà dans l'incompréhension, là. Ok, franchement, je pense que le monstre ressemble à ça. Parce que s'il y a ça dessiné de partout, c'est pour une raison. C'est une supposition, hein, mais... je me fais plus avoir par les manteaux, hein, maintenant. C'est fini. Ah, il y a du sang. C'est par là. Oh, en fait, c'est genre le manteau comme au tout début du jeu dans les plaques, dans l'armoire. C'est pour ça, en fait, ça se trouve, je suis dans l'armoire, genre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, il y a une porte, mais il faut une clé. J'essaie de comprendre un peu, parce que là, je vous avoue que par rapport au souvenir précédent, je suis un peu perdue. Ça m'a l'air bien plus complexe, genre en mode énigme. Ah, faut viser cette cible, là, j'en suis sûre. Oh, l'échec. Ah oui, c'est ça, regardez, j'en étais sûre. Genre la clé est dans la bouteille, en fait. Talent. Cours te cacher, cours te cacher, cours te cacher, cours te cacher, bébé. Je sais pas où il est, le monstre, là. Genre, j'ai peur, mais pourquoi? Y a pas de monstre, hein. Wouah, ça, c'est stylé, hein. Ok, y a une clé pour chaque pièce. Attendez, mais il y a déjà le souvenir là, on n'a pas vu de monstre. C'est quoi le délire? Ou alors le monstre, il va être là, genre il va falloir trouver la clé, elle va être galère à trouver, il y aura le monstre.
Merci Teddy, t'es super rassurant genre là. Là c'est bon, je me sens bien. Hein. Est-ce que c'est un trou ça? Ou faut sauter, faut pas... Non, faut pas sauter dedans, ça m'étonnerait. Attendez, faut passer par où là genre? Ah peut-être par là en ouvrant les placards. C'est bon, non, je suis professionnelle de la grimpette moi. Ah, il y a un passage, je l'avais même pas vu. Il doit y avoir un truc à mettre, genre... Je ne comprends pas. Je suis un petit peu perdue là, on va pas se mentir. Ah! Ah bah voilà, c'est par là qu'il faut passer. Ça m'a l'air dangereux un peu ça, non? Ah, voilà. J'ai compris. Oh! What? C'est quoi ce truc? Il y a un démon qui est passé, ça m'a fait peur mais en même temps pas. Trop bizarre. Genre j'ai eu un petit frisson là qui m'a parcouru le corps mais ça faisait pas assez peur je trouve. Parce que ça faisait trop ombre, genre juste ombre, je comprends pas ce que c'est. Je me demande s'il y a un monstre final en mode boss, comme dans les gros jeux. Ça se trouve... Sauvegarde. Okay, ça se trouve genre il y aura un truc bien flippant à la fin. Genre les portes de partout c'est bon pour se perdre, juste ça, ça sert juste à ça. Là. Ok. Génial. Je parle même plus parce qu'en fait j'ai peur un peu. Je vais pas mentir, hein, j'ai un petit peu peur. C'est la seule raison pour laquelle je suis devenue un peu muette. Ok, là il y a un chemin, il y a une cuisine. Mais attendez, c'est la cuisine de chez moi. Je veux rentrer, genre. C'est la cuisine chez moi, ça. Je reconnais. Oh, la clé! Oh là là, parfait. Ah, c'est bon, je suis trop contente. On a trouvé la clé jaune. Mais comment je fais pour y aller? Ah. Il va avoir un monstre, il va avoir un monstre. Je connais le bail. Ah, je peux pas rentrer! What? Oh, c'est quoi le délire là? Je veux ramasser le jouet, la clé. Là j'ai peur, là ça... Mais attendez, mais j'étais pas du tout là, hein. Je suis pas du tout rentrée par là, c'est... Oh non. C'est un labyrinthe, je le sens. Ah si, je suis rentrée par là en fait. Est-ce que je m'en souviens plus? Oh, c'est une blague? Pourquoi il est plus là le truc? Oh. Ça me fait des problèmes au cœur, des battements. J'arrive plus à parler déjà. Déjà, il y a un problème. Oh? Est-ce que c'est mon papa? C'est vrai que depuis le début, on parle de ma maman, mais pas du papa. Ça, c'est un signe, hein, 100%. C'est un signe qu'il va avoir un monstre. J'ai l'impression que je suis déjà passée par là. En même temps, non, je comprends pas. Oh. C'est quoi ça? Est-ce que je viens d'où moi? C'est quoi ce truc là? Il y a un truc satanique à l'intérieur de la porte, normal. Oh, ok. D'accord. Ah là, à tous les coups, je vais faire bouger un truc, ça va ramener le monstre. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? C'était sûr. C'était sûr. Et du coup, là, faut que je passe sans faire un seul bruit. Je vais faire tomber cette bouteille, là. Attendez. Cours. Cache-toi. Caline, Teddy. Allez, on y va. Cours. Et là, va falloir passer très délicatement. Je pense que c'est par là-bas la sortie. Il y a une porte là-bas, c'est 100% par là. Est-ce que je vais casser la bouteille quand on l'ouvre? Ah non, même pas. Ouf, un chemin.
Je pense que ça se voit moins que sur les autres vidéos, mais genre vraiment, je trouve c'est ultra angoissant en fait. En fait, pour le coup, faut réfléchir et avoir peur en même temps, donc... Oh, compliqué là. Oh, il y a la sortie là. Attendez. Genre, on a fini là. Et il y aura pas eu de grand monstre, vous allez me dire. Ou alors il y a encore un autre souvenir après, ou il y a un truc après, c'est obligé. C'est le cadeau que j'ai eu à mon anniversaire au début. Il faut passer par où là? Faut pas tout revenir en arrière, tu vas me dire. Mais non. Ah. Oui. Normal, il faut bien qu'il y ait un petit problème sur la fin, non? Je vais me faire attraper, je vais me faire... Hein? C'est quoi ce délire? Oh non. Waouh, c'est quoi ça? Oh Teddy! Il a été démembré! Teddy? Oh! Stylé! Du coup, Teddy... Oh! Quoi, not now? Vas-y, moi, faut que je retrouve... Oh, maman! Bah si maman, bah si en fait. Ça fait 3 mois que je te cherche. Quand je te retrouve, tu dis papa maintenant. Mais non. En fait si depuis le début de l'histoire, c'est genre ma maman elle est alcoolique et tout et du coup elle me fait peur. Attendez mais c'est ultra... C'est génial si l'histoire c'est ça. Genre, ça se trouve depuis le début en fait le monstre c'est ma mère parce qu'elle est alcoolique et qu'elle me fait peur. Ou alors c'est juste que j'ai peur comme ça, bah d'accord que c'est un cauchemar, mais... Mon inventaire, ça me fait rire. J'ai la patte de Teddy. Hein. Là, il va avoir un monstre qui va apparaître, c'est sûr. Oh, attendez, quoi? C'est ma petite cabane. C'est ma cabane à souvenirs. C'est, alors là, le retournement de situation du jeu, ça devient trop bien. Enfin, déjà, de base, il était sympa, le jeu. Mais là, là, j'aime bien. Ah, non, c'est bon. Allez. Attendez, c'est la porte du placard, c'est la porte du placard. Genre, ça va se finir comme ça, là? On a retrouvé maman. Mais oh, regardez, il y a tous les souvenirs. On est dans la maison. Mais non. Ça, c'est la clé. Ça, c'est aussi, c'est ça aussi, c'est la clé. Sauf que, attendez, avant, on déménageait pas, non? Pourquoi on déménage maintenant? Regardez, c'est le puzzle. C'était tout, en fait, dans mon imagination. Maman? Maman! Ah, maman est vraiment alcoolique. Je vais donner sa bouteille. Tiens, maman, ta bouteille. Je peux pas la casser? Mais maman. Maman, elle m'a tapé là. Comment je suis choquée. Elle m'a tapé maman. Bah tu sais quoi pour la peine je pars. Hein. Je vais retrouver papa, j'en suis sûr, il est gentil lui. Oh. Papa. Attendez mais ça veut dire que depuis le début ce qu'on cherchait c'était pas maman, c'était papa. Mais ça là c'est la voix de Teddy. En fait Teddy c'est la voix de mon père. Ok je me tais, on écoute. Quoi? Donc depuis le début on cherchait pas maman mais papa.
Ok, bon, je dois vous avouer, je suis un petit peu déçue de la fin. Mais en même temps, ça m'a retourné le cerveau. Genre, en gros, le monstre, c'était pas un monstre, c'était ma mère. Parce que ma mère, elle est alcoolique. Et Teddy, c'était mon père, en fait. C'est stylé, c'est vraiment stylé. Du coup, genre, comment je fais, moi? Je vais mettre « On a retrouvé maman » pour le titre. Mais c'est pas maman. Franchement, c'était cool. C'était cool. Je m'attendais à un truc qui faisait beaucoup plus peur. Mais l'histoire, elle est vraiment cool. Et puis ce retournement de situation à la fin, genre, en fait, le monstre, c'est ma mère. C'est stylé. Et bah franchement, c'était un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. Et je suis contente de l'avoir fait en vidéo, en fait. Et d'avoir attendu si longtemps pour le faire. Et je sais plus quoi dire, ça m'a laissé bouche bée. Franchement, ça m'a laissé bouche bée. Cette fin-là, ça me... Ouh. C'est vraiment la fin cette fois, genre la vraie fin de fin. Genre, il y aura plus de suite. J'espère que cette petite série de vidéos, enfin cette petite série de 3 vidéos quand même, vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos gaming, évidemment, sur d'autres jeux. Et j'ai dit je ferai plus de jeux d'horreur, mais en vrai, est-ce qu'on en ferait pas d'autres? C'est sympa en vrai. Voilà, si la vidéo vous a plu, bah mettez un commentaire, abonnez-vous surtout. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas sauter les vidéos. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.